Alors, je suis Agnès Parent, je suis à la fois directrice des publics au Muséum national d'histoire naturelle de Paris et je suis également présidente de l'AMSTI. L'AMSTI, c'est le réseau des professionnels de la culture scientifique, technique et industrielle au niveau français, qui regroupe 250 membres. Alors, mes thématiques au quotidien, c'est vraiment de pousser, favoriser, porter haut et fort la culture scientifique et technique, son besoin aujourd'hui dans notre société, le développement de l'esprit critique. Et puis, au muséum, c'est évidemment d'essayer de partager, d'échanger, de dialoguer autour de l'histoire naturelle et de l'ensemble des disciplines qu'elle regroupe. Parce qu'on ne changera pas les choses si on ne change pas notre vision sur l'océan, qui pour certains peut-être n'est qu'une grande tache bleue sur une planisphère. Donc s'il y a une appropriation un peu de ce qu'est l'océan, qu'on découvre ce qu'est l'océan, qu'on donne le goût de comprendre sa biodiversité, sa géodiversité, son dynamisme, l'importance qu'il joue dans sur notre planète, ben, si on arrive à faire passer ces idées-là auprès du public, si on arrive à les engager aussi dans des démarches participatives, etc., pour agir pour l'océan, ben, je pense que là, peut-être, on sera plus fort au niveau national, et si on arrive à le faire au niveau international, ça sera encore mieux. J'adore Océanopolis. J'adore ce lieu, vraiment. Ce rapport au vivant, qui est très très intéressant. Et puis toutes ces explications qui viennent voilà, compléter. On est entre émerveillement et compréhension. Et puis aussi une très belle médiation qui est présente et soutenue. Et c'est agréable aussi de rencontrer l'humain.